Il y a 72 heures, on a appris une possible attaque chimique dans la ville de Vondel. Une philanthrope locale, qu'on pense être Milena Romanova, mania russe de l'immobilier, a chargé une force de sécurité privée de protéger la ville et d'empêcher une attaque. Certaines zones pour protéger les civils. Nombre d'entre eux ont été évacués, tandis que d'autres ont préféré fuir. Nos doutes concernant les intentions de cette force de sécurité sont en train de se lever sous nos yeux. Des soldats ennemis ont été vus dans les limites de la ville. Il se passe quelque chose de très inquiétant à Vondel. Des conflits éclatent dans les rues, les canaux et les centres-villes. Il nous faut des soldats sur le terrain pour resécuriser la zone et empêcher la chute de Vondel. Ça a tout l'air d'une guerre. Et on a besoin de vous. Mais non, mais... Mais non, mais c'est pas ça que je fais. Ce sera bientôt à nous. Échauffez-vous en attendant.
approche. Et en quater, je sais pas en... C'est pas en smash, si tu dis que je vais être en quota qui me met en duo. Attention, une escouade ennemie vous a repéré. Je me suis pris une balle! Je me suis relevé! Ils ont frappé fort, mais la revanche est imminente. Fini. Oh, évidemment, les... c'est n'importe quoi. Ils sont inquiètes. Évidemment, on est que deux, nous. Moi, tu veux qu'on fasse. Alors que je dirais les gens ça à 4, pas à 2. Cold War. Salut, John. Cold War. Je crois que je l'ai, Cold War, il me semble. Il me semble que je l'ai. Il me semble. Échauffez-vous un peu. On va bientôt partir. Ah, moi Cold War il m'intéresse plus que les autres il m'intéresse plus que les autres Call of hein. Cold War. Il m'intéresse plus que les autres. Hey, mais pourquoi qu'on est à... Hey, mais pourquoi je suis seul là? Ah quand même on a 4 quand même. Et là on était à 2 puis on a 4. Ouais bah je vais avoir là. Je vais avoir. Là le prochain Call of, je sais même pas s'ils vont en sortir un Call of ou un Black ou ça. Hein. J'ai peut-être désinstallé celui-là de Call of et puis j'ai pris l'autre. J'aime bien Call of War, moi j'aime bien Call of War. J'aime bien Call of War. C'est la fin de l'entraînement. Par contre celui-là, je sais pas comment je vais faire avec le...
pas comment je vais faire avec les Warzone parce que... C'est comment qu'elle m'a appelé une fille hier. Sans même vraiment savoir là ce que j'ai. Ah, des méchancetés niveau des filles, moi dire je suis habitué, même si j'aime pas trop ça. Votre coéquipier a été redéployé. Bien joué. Ah non, pire encore. Pire que papy. Pire. Drone ennemi pire que papy. Pire que ça. Vioc et fossile. Ennemi dans la zone des opérations. Je crois que Vioc et fossile, c'est encore pire que si elle m'a traité de papy. Drone ennemi actif. Drone hostile dans la zone. Je crois que Vioc c'est encore plus mal, c'est encore pire que tout. Je crois que Vioc c'est encore pire. Ah non, pas dinosaure, non, fossile, carrément. Je n'existe pas dinosaure, fossile. Non. Encore fossile, ça me fait rigoler parce que c'est vrai que je suis un dinosaure, moi j'ai. C'est vrai que je suis un dinosaure parce que j'ai connu le début de tout, moi, la DSL, Wi-Fi et tout. Même les Call of, hein, les Call of, les Modern Warfare, tout ça, moi j'ai connu moi dans les débuts, moi quand. Dans les tout débuts, quand j'ai commencé à en faire. Moi, j'ai connu le début de tout. J'ai connu le début de tout. Donc oui, c'est... Donc oui. Ouais, je suis un... Pour certains sur Twitch, je suis un dinosaure, oui, mais... Mais de là à dire fossile, quand même... Vioc. Quand même... Qu'elles aiment pas les vieux, bon. Qu'elles les apprécie pas, je veux dire, bon. Ça, je le sais. Parce qu'elles préfèrent les petits jeunes. Elles préfèrent les petits jeunes, etc. etc. Ça, bon. Ça, au pire, je suis avec. Mais de là à me traiter de vieux. Fossile. Il y en a même une qui m'a appelé, il y en a même une qui m'a dit je s'appelle Vioc. Je s'appelle Vioc. Alors quand elle m'a dit ça, je s'appelle Vioc, je lui dis je sais plus comment dire ça, je lui dis tu sais ce qu'il dit le Vioc. Tu sais ce qu'il dit le Vioc. Voilà. Vaut mieux rester poli avec ce genre de personnes parce que si tu commences à être. Si tu commences à être vulgaire. Si tu commences à être vulgaire, elle va dire ouais, donne-moi ça. Voilà. Non mais les jeunes, toi aussi t'es jeune. Toi t'es jeune, Alan il est jeune, Anto aussi il est jeune. Même Genesis hein, il... Ah. Non mais ce que je veux te dire c'est que... Moi ce que je remarque quand même c'est que les filles sur Twitch elles sont... Les filles sur Twitch, elles sont pas du tout. Elles, ce qu'elles voudraient, c'est jouer qu'avec des jeunes, etc.
Ça, après, c'est leur droit qu'elle voudrait jouer qu'avec des jeunes. C'est vrai que jouer avec des. entre guillemets, grand-père. C'est vrai que c'est pas. C'est pas leur. C'est... Voilà quoi, elle préfère jouer avec des petits jeunes. Petits jeunes de 20 ans, 25 ans, tu vois, c'est comme ça quoi. Mais ce qu'elles n'arrivent pas à comprendre, c'est ce qu'elles n'arrivent pas à admettre, c'est que sur, sur Twitch, bah. Des gars de mon âge, même plus vieux que moi, ils commencent à en avoir. Bon. C'est pas une majorité, on n'est pas en majorité hein, sur Twitch. Hein. On n'est pas en majorité, mais bon, il y en a quand même quelques-uns, quelques-unes, quand même. Qui essayent tant bien que mal de se. Sortir de. Enfin, d'essayer de se montrer et de dire ouh, on est là, nous. Voilà, donc ils essayent tant bien que mal de se. Enfin, de sortir un peu du lot, quoi, mais c'est pas forcément évident. Dire que voilà quoi, c'est. C'est comme hier soir, avant de me coucher, hier soir j'ai regardé un gars, il écoutait une musique de rap, mais une musique de rap vraiment, vraiment trash. Je répéterai pas les paroles, mais. Je répéterai pas les paroles de la chanson, mais voilà. Bah quand t'écoutes ça, tu te dis waouh! Moi, je sais que j'ai déjà entendu ça quand j'étais au lycée. Enfin, je veux dire, voilà, si Twitch, il y a de plus en plus de mecs comme ça... Enfin, je veux dire... Ah non, mais de toute façon, ces filles-là... Elle a voulu savoir là ce que j'avais. Je lui ai dit... je crois que j'ai quitté son live, je lui ai dit... Le vieux, le faux-ci, il s'en va. Il te laisse avec tes petits jeunes, là. Votre équipe est dans la zone de sécurité. Mais je lui ai pas dit mon âge, hein. Je lui ai pas dit mon âge. Parce que sinon, je m'en suis encore pris plein la gueule, donc j'ai... Ah non, mais je me suis même pas abonné, Genis. Je me suis même pas abonné, pas du tout. Enfin, bah non, attends, Ah non, mais je me suis même pas abonné. Ah non. Bah attends, mais ça va pas, non? Puis quoi encore? Non. Non, je suis pas. Je suis mazo, mais pas à ce point. Hein. Non. Drone ennemi au-dessus. Drone ennemi actif. Non. Drone hostile dans la zone. Drone ennemi au-dessus. Il est pas n'importe où! Non mais... De toute façon, des filles comme ça, je vais encore tomber sur des filles comme ça, de toute façon, c'est sûr. Et comme tu dis, il faut même pas s'abonner à ces gens-là, quoi. Ah quoi. Faut les laisser pour ce qu'ils sont et puis c'est tout. Dans les stations de ravitaillement. C'est comme t'as certaines filles qui vont te dire ça c'est pareil, j'ai commencé une fille comme ça la dernière fois. Elle disait que les jeux ça dépendait de l'âge que t'avais. Et moi je lui dis ah bon. Comme hier, avec la malle ou je sais plus qui j'en parlais, j'ai... Ah ouais, donc ce qui veut dire que quand tu joues à Fortnite, t'es forcément un gamin. Forcément. Parce que tu joues à Fortnite, t'es un gamin. Parce que tu joues à Warzone, par exemple, t'es un adulte. Forcément. Tenir ce genre de discours, c'est complètement con, quoi. Je veux dire, c'est pas l'âge qui dépend du jeu, quoi. C'est, je veux dire, tu peux avoir l'âge que t'as et jouer à des jeux pour les gamins, comme moi j'aime bien jouer. Tu peux, enfin, ça a rien à voir, quoi. À ce moment-là, toi qui joues en ce moment à Overwatch 2,
Bah comme tu joues à Overwatch 2, comme Overwatch 2 c'est fait pour les... C'est plus un jeu pour les enfants, pour les gamins que pour les adultes. Bah comme tu joues à ce jeu-là, bah t'es bah pour elle, celui qui résonne comme ça. Celui qui résonne comme ça, bah pour elle, t'es un gamin, quoi. Alors que t'es loin, très loin d'être un gamin. Ah tu vois. Donc pour ce genre de filles qui résonnent comme ça, c'est même pas la peine, quoi. C'est... Enfin, comme moi, je lui dis à cette fille, je lui dis, mais est-ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Est-ce que tu dis, c'est complètement idiot. Complètement idiot. Je veux dire, moi, des fois, ça m'arrive de jouer à des jeux pour les gamins, à des jeux Peggy 2, Peggy 4. Et pourtant, je suis. Ben voilà, quoi. Ok. C'est complètement débile. Complètement débile. Mais bon, t'en as, ils sont. Bon, bah, c'est plus court qu'en habitude, hein. Partie de Warzone, mais court. Comme d'hab. Voilà. C'est le top. Ah. C'est le top. Mystère. Ah, au fait, il y a un mystère. Je sais pourquoi je t'entendais pas hier. Je suis vraiment con des fois, moi. Hein. Je suis vraiment con. Hein. Parce que je m'étais mis en groupe d'amis pour inviter un gars qui voulait, que je croyais qu'il voulait jouer avec moi sur Twitch, sur Fortnite. Et en fait, j'étais en groupe d'amis et j'ai oublié de me défaire du groupe d'amis. Donc, ce qui veut dire que bah je pouvais parler, toujours parler, hein. Mais. C'est quand j'ai arrêté mon live que j'ai réussi. Mais quel con. Voilà, donc voilà. Donc voilà, forcément, je parlais, mais je parlais dans le vide, quoi, parce que. Enfin, je parlais, mais. Voilà. J'ai dit, mais qu'est-ce que je suis con. Au début, je pensais que c'était le chat de Fortnite qui avait un problème, parce que des fois, ça arrive. Mais non, non, c'est juste moi qui, voilà. Donc forcément, je parlais, mais voilà, forcément, voilà. Et merde. Donc, voilà. Non, pour l'instant, non. Toi, oui, Mister, tu joues toi avec moi, mais non, pas avec John, pour l'instant. Pour l'instant. Ah, t'as là, quand j'aurais fini Apex et Warzone, bah, comme j'ai dit, hein. Je fais mon petit tour. À 6h, 6h15, des fois, peut-être 6h20. Faire mon tweet, bah, comme j'ai dit, hein. Puis on verra. Je sais pas si John, je l'ai mis sur. Je sais pas si John, je l'ai mis sur. Je sais pas si je l'ai mis sur sur Partner, j'en ai mis. Je sais pas. Change de chargeur. Je sais même pas si je l'ai mis. Je sais même pas. On demande un survol de reconnaissance. Je me souviens même pas. Bref. Oh putain. Détermination active. C'est mon dernier. Drone ennemi juste au-dessus. Besoin de soutien aérien.
Ils sont où, les mecs sont planqués? Notre hélicoptère d'attaque est en route. Nouveau chargeur. Mais ils sont où, les mecs? Ok, ou quoi? Oeil pour oeil, dent pour dent. Ça, à tous les coups, les mecs ils se planquent, ça, à tous les coups. Les mecs ils se planquent. Putain, mais ils sont où? Ça, les mecs ils se planquent, ça. Les mecs ils se planquent et puis on sait pas. Ouais. Bah écoute, tente, hein. Mais t'en avais tenté un tout à l'heure, là, ce matin. J'ai regardé, mais. Ce matin, j'ai regardé, mais apparemment, t'es pas resté longtemps. Putain, mais ils sont où, les mecs? Avec toi jusqu'au bout. Un ennemi! Ennemi dans la zone! Ouais, mais ils sont où? Bah oui, mais ils sont où? Ah oui, mais... Notre drone est en train de survoler la zone. Putain... Oh, je sais pas, parce que moi, quand j'ai vu sur mon téléphone, t'étais en train de... J'ai pas chronométré, mais... Ennemi dans la zone. On est à mi-chemin de la victoire. Continuez de prendre la ligne. Ah, mais t'es pas le... Je les vois même pas, les mecs. Je les vois même pas, les mecs. Ouais, il fait chaud, ouais, il fait chaud. Ouais. Changement de chargeur. Pas plus chaud d'habitude, hein. Mais tiens, en parlant de chaleur au Japon, ils ont dit qu'ils faisaient dans je sais plus quel. T'as là, ils ont pas les infos qu'ils faisaient jusqu'à 40 degrés au Japon. Et apparemment, en France, il y aurait une région en France où il y aurait eu un tremblement de terre. Pas un séisme. Apparemment, il y aurait eu un séisme. Je sais plus trop dans quelle région en France, mais... Il y aurait eu un séisme. Colis stratégique allié dans la zone. Précision hostile, à couvert.
croisière alliée déployée. Visé, fais gaffe un peu. Attention, tu... Bon allez, je fais ça, je fais un peu Apex et après je vais faire mon petit tour moi. Charge. Je me fais tirer dessus. Et abattu. Je lance du septec. Couvre tes arrières. Je suis derrière toi. Notre drone survole la zone. Ennemis en mouvement. Charge.
Contact. Je l'ai massacré. À couvert. Attends, mais... Menace. Attaque des dos active. Je te couvre. Putain. Bombardement stratégique allié imminent. Putain. Drone ennemi actif. Tourelle ennemie déployée. Je lance une grenade flash. Missile de croisière allié en approche de la cible. Recharge. Pas longtemps. Attention où tu tires. Je demande une reconnaissance immédiate. Reçu. On est arrivé sur zone. Reconnaissance en cours. Je suis derrière toi. Je me suis pris une balle. Reconnaissance interrompue. Je change de
croisière alliée déployée. Je demande une reconnaissance immédiate. Contrôle la zone des opérations. Change de chargeur. Zone cible marquée. Feu à volonté. Il faut l'antidote. Dans le mille. Notre drone survole la zone. Drone hostile dans la zone. Une balle. Dites-leur ta famille. Drone allié actif. Je suis derrière toi. En contact. Plus que 30 secondes. Tourelle active. Je recharge. Chargeur. Je suis blessé. Mon explosif ennemi actif. Plus que 10 secondes. Commissaire, je suis le truc que c'est une mère. Je suis en train de me rappeler. Bonsoir. Bah alors, qu'est-ce qui vous attendait? Vous évoluez en permanence. Tout comme votre Lévis. Avec ce qui va être bien. Bon, allez, moi, je vais boire un petit verre. Je vais boire un petit verre. À mon avis, ça reste d'être très très court, comme je disais. Et puis voilà.
Ça va être très court. Je lui ai dit. Bah, j'ai deux SSD. J'ai deux SSD, j'ai un disque dur. Un disque dur externe. Interne, là, celui de la console. Ah bah, ça va. Et puis, voilà. Ah oui, évidemment, je l'aime. Bah, de toute façon, il en faut de la mémoire, John, de toute façon. Il en faut, hein. De toute façon, ceux qui ont une Xbox. De toute façon, ceux qui ont une Xbox Series S ou Series X. Avec tous les jeux qui sortent, vu la taille des jeux qu'ils font. Vu la taille des jeux. Si t'as pas au moins deux SSD, au moins deux. Pour histoire de stocker des jeux. Bon, tu peux en avoir un. Si t'as la Series X, je pense que un SSD, c'est bien. La série S comme moi, 2 SSD c'est mieux. Voilà. Bah d'ailleurs, tous ceux qui ont la série X, ils te le diront d'ailleurs. La série X, je crois qu'elle est à 1 Tera, je crois, le disque dur. Il me semble 1 Tera, je crois. 1 Tera, tu peux largement faire 1 Tera. Pas largement. Il faut faire attention à ce que tu mets aussi, il faut pas. Puis il faut pas faire comme moi. Il faut pas installer, et puis après le jeu tu y finis pas. À un moment donné, il faut te dire je joue à tel jeu, je finis tel jeu. Hein. Parce que c'est bien installé, c'est bien installé. Mais si tu installes. Deux doigts. Ah ah. Deux doigts. Et pourquoi t'as pas eu la série X, Eddy? Deux doigts, carrément. Deux doigts. Qui mec qui parle là? C'est qui le mec qui parle là? Qui le mec qui parle là? Et mon pote, hein, mais. On fait comment pour désactiver quoi? Larguez les bombes! Ouais, Apex. Ouais, donc il t'est arrivé un truc de fou? Il y a une caisse de ravitaillement par ici. Eh bah ben oui, bah c'est ce que je dis, John.
La console était cassée, j'ai plus l'occasion, j'étais remboursé. Ah bon? Trop chaud? Bah je croyais qu'il faisait pas chaud, Alan. Je croyais qu'il faisait... Il y a tes musiques qui faisaient moins chaud? Tu me disais hier qu'il faisait moins chaud? Premier frag. Premier frag, il fallait s'y attendre. Manche 1. Début du compte à rebours de l'anneau. Parfait, on est dedans. De toute façon, je verrai bien ça si tu simes ou si tu simes pas. Je verrai bien. Je verrai bien ça. Achète la neuve. Ah ouais, mais. Oui, mais acheter une console neuve, mystère, c'est... Chargeur léger agrandi par ici. Acheter une série X neuve, Ça coûte cher, hein. 500 euros. Votre attention, ah ouais, mais si t'achètes ça dans ces magasins aussi, c'est normal. Hein. Nouveau leader de frag. Il faut pas l'acheter dans un magasin où tu. Où les gens, quand ils. Enfin, qui vont dans ces magasins pour vendre des consoles qui sont des fois pas dans un état très. Bah là c'est en train de dire que Eddie a failli avoir la série X, mais qu'il a eu la série X. Mais le problème c'est que la série X qu'il a eu, elle a été cassée. Alors il s'est fait rembourser. Enfin si j'ai compris. Hein. Enfin si j'ai compris. Et j'ai bien compris ce qu'il a expliqué. Moi je sais par exemple que j'ai eu le cas avec la One X par exemple. La One X, Micromania, ils en voulaient pas parce que, soi-disant que pour eux, pour le mec, soi-disant que pour le mec, je l'avais ouvert alors que je l'ai jamais ouvert. Mais juste parce que l'autocollant d'Aya était décollé, bah, ils ont pas voulu me le reprendre, juste pour ça. Alors, ce qui fait que, bah, j'étais obligé de la revendre à Easy Cash. Je crois que c'était à Auxerre, je crois. J'étais obligé de la revendre à Easy Cash. Et ils me l'ont pris, hein, parce que la console a fonctionné et tout, hein, fonctionnait bien et tout, hein, ils l'ont testé et tout. Je sais plus combien ils me l'ont pris. Mais en tous les cas, voilà. Donc heureusement que j'ai trouvé un Easy Cash pour me la reprendre, hein, parce que... Sinon, bah, je me serais assis dessus, quoi. Parce que Micromania au sol, ça voulait pas. Donc, voilà. Non, John, c'est pas Titanfall. Parce que moi j'ai joué à Titanfall, non. Apex pour tuer un mec, accroche-toi. Hein. Oula. Apex pour tuer un mec, accroche-toi. Hein. Sur Titanfall, moi j'arrivais à tuer des mecs, hein, sur Titanfall. Hein. Apex. Je sais même pas où sont les mecs, ils sont les mecs. Oula. Et oh, calme-toi. Et oh, toi. J'ai pris une munition énergétique. Ok. Voilà. Non, c'est pas des escrocs, Mister. C'est juste parce que lui, il est pas tombé sur le bon vendeur. Mais non, c'est pas des escrocs. Bah, sans Easy Cash, moi, j'aurais pas pu. Moi, Mister, sans Easy Cash, moi, j'aurais pas pu revendre ma One X. Et j'aurais très, très probablement. Pas pu prendre la. Je sais pas, c'est pour la série. Oh, je sais. Non, c'était même pas la One X, quoi.
Non, c'était même pas la One X, je crois que j'avais... Oh, je sais plus. Je crois que j'avais... Je crois que je voulais vendre la One... Ouais, c'est la meilleure seule. Je crois que je voulais vendre la... La Xbox One, je crois. Ouais, c'est la One X, justement. Ah ça, je voulais revendre ma Xbox One pour aller sur One X, à l'époque. Et en fait, je voulais passer de la One à la One X. Bah, en vendant la One, et à mes compagnons, ils m'ont dit, on vous la reprend pas parce que vous l'avez ouvert. Voilà. Et sans hésitage, bah... Sur internet, des fois, Mister, t'as pas à faire que des gens honnêtes. Hein. Des fois, Mister, t'as pas à faire que des gens honnêtes. Hein. Là, il a pas eu de bol, il est tombé sur un mauvais vendeur. Mais il est pas tombé sur un vendeur honnête. Mais sur internet. Ça va. T'as par exemple, tiens, tu dis que Easy Cash, c'est des gens, c'est pas honnête. Mais tu crois que Le Bon Coin, c'est honnête? Le Bon Coin, c'est bien pareil. Hein. Le Bon Coin, des fois. Le Bon Coin, c'est bien pour acheter des vêtements, c'est bien pour acheter pour deux aussi, parce qu'ils font la location, Le Bon Coin. C'est bien pour acheter des vêtements, c'est bien pour acheter. C'est pour acheter des gamins. Si t'es un gamin ou une gamine pour acheter des vêtements, tu les as moins cher. Ils font des prix, c'est bien pour ça, mais sinon c'est pas. Sinon c'est pas. C'est pas terrible. Hein. Pas terrible. Hein. Je sais que j'ai mon cousin, moi, il était sur. Je sais que mon cousin, moi, il passait beaucoup sur eBay pour acheter des vêtements pour ses gamins. Et moi je pense, enfin après c'est mon avis, moi je pense que pour les consoles, soit t'attends dans ton Micromania si t'as un Micromania, soit tu attends le Micromania que t'as chez toi, qu'il l'est moins cher. Vaut mieux passer par Micromania, au moins si t'as un problème Micromania, voilà. T'attends qu'ils aient une console moitié moins chère. Bon. Évidemment faut être patient, hein. Sûr. Hein. Faut être patient, c'est sûr. Mais bon. Ah bah voilà, c'est ici qu'on va atterrir. Je suis leader de saut. Avec moi, on n'est jamais en bout de course. On serre les dents et on s'active. Tiens, cœur. On fait gaffe. Et bon. Mais bon, Eddie, c'est vrai que pour les consoles. Pour la mémoire, c'est vrai que tant que t'as la série S, pas d'autre choix que d'avoir un SSD quoi. T'as pas vraiment le choix que d'avoir des. Oula. T'as pas vraiment le choix que d'avoir des. Que d'avoir un truc SSD quoi. T'as pas vraiment le choix. Pas vraiment le choix. Je suis à terre. Je ne viens nulle part maintenant, c'est trop dangereux. T'as vu? Ah, est-ce que c'est ça que j'aime bien avec Apex, c'est que tu meurs en. Ah, c'est rapide, hein, c'est. Les parties sont rapides, hein, c'est. C'est encore plus rapide que sur. Fortnite, non. C'est encore plus rapide que sur Fortnite. Allez, dernière partie, puis après, je vais faire mon tour. Hein. Puis après, là, je vais faire un raid, parce que je sais pas s'il est encore en train de streamer. Puis après, je crois qu'il est déjà la famille. Après, j'ai fait un raid chez. Alors, je sais pas s'il va être là que j'aurais été. Après, je vais faire un raid chez. Genesis.
savoir ce qui nous attend aujourd'hui, je suis prête. Et le pire, c'est que sur Apex... Et le pire, c'est que sur Apex, c'est... C'est beaucoup de gamins aussi sur Apex. Puis, détruisons-les. C'est beaucoup de gamins. Il y a une optique ici, moyenne portée. Oui. Une minute avant que l'anneau se referme, on a le temps. Votre attention, premier frag. Allez. Là, c'est parti. 45 secondes avant la fermeture de l'anneau, amigos. M'obligez pas à vous porter. Ce que j'aime pas aussi, c'est qu'on est gay, tu suives pas. On n'est pas loin de l'anneau. Si ce qu'il dit, je suis mute, man. Si ce qu'il dit. Si ce qu'il dit, c'est où? Oh putain. Ouais, le graphisme il est pas moche, ouais. Graphisme il est pas moche, mais bon. Votre attention, livraison d'un pack de soutien. Mais bon, malheureusement. Un pack de soutien. Je suis à terre. Contact terre, camarade. Établi avec l'ennemi. Contact. Allez, compadre, debout. Allez, allez, finis. Tu vois, on la voit. Tu vois là-bas. Les gamins. Je peux pas croire que j'ai planté là. T'as de la chance que je t'aime bien. Je régénère mes bouts. Je répare mes dégâts. J'ai trouvé un bouclier évolutif ici. C'est cool. Niveau 2.
Sprint, c'est l'heure du siège éjectable. J'ai détruit l'ennemi de remboursible. Ennemi à terre. J'ai abattu un ennemi. Oui. Il y a un bouclier évolutif ici, niveau 2. Ouais, ça va, ça va, ça va. Des matériaux. Ouais, ça va. Salaud. Perdre. Oula, 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 merde. Ah, merde. Coup de pied qui se perd, hein, je te le dis, moi. Ah, c'est égo, ouais. Coup de pied qui se perd, je te le dis, moi. Je te le dis. Oh, en plus, j'ai même plus d'armes. Putain, allô. Salut. Il y a une obstruction, vous voyez le porter. Livraison du réplicateur. Réplicateur en approche, amigos. C'est autre chose de toute façon. Plus vite, plus vite, plus vite. Oui. Allons voir ce qu'il y a par là. Accélérant d'ultime par ici. Salaud. Salaud. Il y a une optique ici. Moyenne portée. Ça va te faire bien, ça va te faire bien la semaine des vacances, Anne. Ça va te faire bien. Pour être reposé de tes... Mais je trouve quand même qu'une semaine c'est beaucoup quand même, hein. Je trouve qu'une semaine c'est beaucoup quand même. Présence hostile repérée. Fausse alerte. Je trouve quand même ils auraient pu te faire quand même... C'est pour le feu sur... Je trouve qu'une semaine c'est quand même pas beaucoup. J'utilise le grappin. Un bouclier ennemi. Je n'ai plus de munitions lourdes. Un de moins. J'ai tué un ennemi. Je recharge.
Mais non. Mais non, mais putain, mais qui est con. Je recharge mes boucliers. Toi et moi, on peut le faire. Attention, c'est parti. Eh bien, le c'est parti. Ici, au milieu des professionnels, sombre imbécile. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas si je suis un imbécile. Ouais, hop. Et il y a un petit raid de Genesis. Je sais pas si c'est encore là. Est-ce qu'il est chez moi? Est-ce que tu m'as dit qu'il est en famille après qu'il... Est-ce qu'il y a... Il y a encore là. Hey, tac. Hop là. Ah, merci d'être passé. Hop, il n'y a pas besoin en plus. Tac. Hop. Il fait du Overload 2. Tac. Hein. Tac, hey. Pitalos, tu veux jouer avec moi, John, ou même... comment on appelle ça, Mister. Bien, je tâcherai de voir si je suis pas en complémie, hein, parce que je peux pas comme hier. Ouais, merci de passer, et puis voilà.